L'histoire de l'Afrique est remplie de cadavres d'hommes célèbres, assassinés, torturés, empoisonnés dans la fleur de l'âge, pour avoir dit haut et fort ce qu'ils pensaient, parce qu'ils avaient assez de courage. Mais la politique est un champ de bataille, où depuis longtemps, les armes ont remplacé les mots. Un jour noir, la balle a touché leur peau, ils sont tombés pour la patrie, pour l'amour de la fratrie. Mais les dictateurs rêvent du pouvoir éternel, oubliant qu'ils sont pas immortels. Un tyran meurt quand son règne s'achève, mais quand un martyr meurt, son règne commence. En Afrique, nous avons toujours des problèmes de repères, parce qu'ils ne sont pas souvent donnés en référence. Matsua André, Félix Mounier, Pierre Moulélé, ils sont tombés pour la patrie, pour l'amour de la fratrie. Là où il y a l'injustice, c'est pas étonnant de voir naître l'insoumission. Tout homme doit mourir un jour, mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Toutes ces morts violentes n'ont pas provoqué la même émotion ni connu la même postérité. Patrice Lumumba, Okito et Mpolo, avec leur sang, ils ont lavé le Congo. Ils sont tombés pour la patrie, pour l'amour de la fratrie. Franklin Bukaka, Ben Barka, Thomas Sankara sont tombés pour la patrie, pour l'amour de la fratrie. Mais la révolution, ce qui donne son vrai prix à l'amour qu'elle offre à ses martyrs, c'est sa haine de leur ennemi. C'est sa haine aux traîtres, à la cause africaine.